avec nous. Bonjour. Là, nous voulons prendre une bouteille pour d'Az pour nous voir là-bas. Nous voulons prendre une bouteille pour d'Az pour nous voir des loin. Merci. Débute jusqu'à telle heure. C'est tout? Oui. Tout même pour le 8787e qui peut casser sa récord là. Salut à tous, une édition de Génération J, Rouge Blaison Vert. Retour sur le record mondial établi par deux jeunes collégiens le 24 janvier de la plus grande image humaine d'un drapeau national, le nôtre bien sûr. 6145 adolescents de 80 établissements secondaires, publics et privés, ont convergé la main sur le cœur patriotique vers le stade Anjalé Coupen à Bellevue afin d'être comptés grâce à leur code QR. Plusieurs mois de préparation par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel pour un moment symbolique en marge des 55 ans de l'accession du pays à l'indépendance et des 31 ans de la République. Génération J, As One People. Quelle est la phrase ou le mot le plus important pour toi dans l'hymne national? Dans Maurice, ensemble de tout ensemble, pénal non rien qui divise nous. Peace, justice and liberty. Au mort de la Northman. Together. Quand j'ai tout ensemble, il est bon. Qu'est-ce qu'il pleuvait ce mardi? Nous sommes arrivés comme ces royalistes à cure-pipe un peu mouillés, on a l'habitude. Dans le hall centenaire, ceux et celles volontaires du Collège Royal qui attendent les retardataires. Un ultime briefing avant la distribution de hoodies, verts en l'occurrence. Et là, la formule a été remplie? Oui, bien sûr, signé par les parents pour nous donner l'autorisation de se rendre là-bas. Ça, c'est l'école Saint-Forme pour les approuvals des parents, pour que les élèves puissent avoir la permission pour aller au event. C'est une formule spéciale? Non, oui, c'est une formule spéciale. Que pour l'événement? Que pour l'événement, oui, c'est de l'école. Et qu'est-ce que ça dit, que ça demande le formulaire? Que l'enfant puisse avoir la permission pour participer à l'événement qui va avoir lieu au stade Anjalé. Quand on est team leader pour ce genre d'événement, pour toi ça veut dire quoi? Normalement c'est comme si je dois comme si être l'exemple de l'équipe comme si. Et ouais voilà, c'est à peu près ça. Je dois comme si diriger l'équipe, comment bien faire, comment bien se comporter. Et ouais voilà, c'est ainsi. C'est un événement que vous attendiez, je l'imagine, aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Et surtout, on est très, très excités d'y partir, car c'est quelque chose d'autre commun. Et ouais, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance d'y participer. Et participer à éventuellement un record du monde. Ouais, voilà. C'est exceptionnel ce qu'on va faire. Et ouais, voilà. Ça chuchote comme ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit de ce qui va se passer là-bas? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'actuellement, c'est l'Inde qui détient le record du plus grand drapeau humain, avec une totalité de 5885 personnes. Donc cette année-ci, pour nos 55 ans d'indépendance, Maurice tente sa chance d'entrer dans le Guinness Book avec la participation de 7800 personnes, y compris certains élèves de la grade 5, de la grade 11 pardon, du Collège Royal du Cœur. Donc c'est une fierté. Pour vous, c'est l'occasion de briser un record, c'est l'occasion de vivre une expérience unique entre amis, ou alors c'est une belle journée pour caper l'école? Mais non, pas du tout. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un événement hors de l'ordinaire. On va marquer.
Ibrahim chanter l'hymne national dans le bus. Bien sûr, c'est une habitude. Oui, il y a un grand plaisir pour nous ça. On le fera bien souvent. Grand plaisir pour nous ça. Bien souvent comme ça? Plutôt souvent, oui. Surtout dans des événements tant que tels. Et bien sûr qu'il peut venir représenter le pays, nous peut représenter le collège. Alors nous faisons monter un bon. Nous faisons mettre un bon standard quand même. Nous pas qu'un équipe dans le bus, bien ce qu'ils nous ont envie. Nous faisons mettre un standard. Alors comme ça on pense que nous faisons l'hymne national. Quelle est la phrase ou le mot le plus important pour toi dans l'hymne national? Dans Maurice, ensemble de tout ensemble, pénal n'a rien qui divise nous, pas la culture, pénal n'a rien, ni religion, ni race, ni la culture. Nous tous ensemble, nous tous en unité, et quand on a pour relever un défi comme ceci, nous appartient à World Record quand même, et quand nous tous débutons ensemble, ni possible. Vous pensez qu'il est possible. Quelle est la plus belle chose qui te pense au café de ton pays? Ben, au cours des ans, ça veut dire que je finis à Fran, je pense que je viens peut-être dans côté docteur, soit biochimie, et peut-être inventer ou soit découvrir un remède, et un cure pour un disease, surtout un disease comme le cancer. Pour l'instant, il n'est pas vraiment traitable, mais il dit que, comme si un scientiste, mais dans une équipe, slow the process, c'est pas qu'à cure totalement. Alors, moi, on peut penser qu'il a la capacité, et bientôt, je peux faire lui, je peux créer un cure. Et revenir au pays, mettre ça au service des citoyens. Exactement. Pas que à Maurice et à travers le monde. Qui est le souci principal là? Est-ce que nous pouvons arriver à l'heure? Parce que nous maintenons l'heure, c'est ça qui nous prend souci. Après, bien sûr, un petit peu peut-être, en guillemets, comportement des élèves qui ne nous pas connaissent. Vous connaissez maintenant pour bien voir, mais seulement toujours, ils ont besoin de vendre les autres écoles, pas que, parce que là, c'est l'école l'île Maurice entière. C'est un défi dans le défi. Pardon? C'est un défi dans le défi. Oui, exactement. Ah, ben, we'll go through. Et pour vous, on connaît plusieurs générations dans beaucoup d'écoles, y compris au Collège Royal, on vit beaucoup de 12 morts. Celui-là, ce sera un peu différent. Exceptionnel, parce que c'est bien différent. Dans le sens qui, comment dire, nous peut faire pour nos patries, mais dans un international level, c'est une grande chose. Et nous fiers d'être mauriciens. Parfois, quand nous sommes team national à l'école, nous ne réalisons l'importance, mais c'est quelque chose qu'on fait debout avec le drapeau. Moi, une bonne expérience, moi, quand je suis gradué, je prends une partie casse la tête, mais quand je suis gradué, je peux jouer l'hymne national, nous l'homme, puis aller, tout le monde camarade. Mais qui fait, on va connaître un petit nous. On pose la question à un garçon là, pour où, qui phrase ou qui mot qui est plus important dans l'hymne national? Peace, justice and liberty. Et puis bien sûr, as one people, as one nation. Nous déjà là, nous pouvons vivre l'université dans la diversité. C'est ça. Malgré la pluie, ce sera une belle journée aujourd'hui. Oui, je pense. Ça va être exceptionnel, quoi que ce soit le temps. Ça va être exceptionnel. L'atmosphère des grandes rencontres de foot règne au stade de Bellevue. Des dizaines de bus, un encadrement discipliné et les têtes déjà dans les couleurs. Qui te poulet préféré dans Pavillon Maurice? Couleur bleue. C'est pas en bleu? Non, jaune, malheureusement, non, jaune. Tu fais le bleu? Le bleu représente l'océan. Comme nous font partie, Maurice font partie de l'océan Indien. Donc, bleu, il représente l'océan. Qui m'a raison de préparer un peu ça l'événement-là? Nous nous préparons à lire, moi j'ai comment nous êtes ici pour nous. On est là-bas. Comment nous faisons comporter nous faisons un lien bien, comporter nous comme une grande fille. Vous êtes pas une grande fille? Oui. Et puis? Et puis ça aime. Qu'est-ce que vous faisons faire là-bas? Nous faisons débouter. Nous faisons débouter.
Vous autres, en général, tout ce qui tourne autour du 12 mars, de l'indépendance, du drapeau national, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est une grande fierté nationale, parce que là, on est quand même ici pour casser un record ensemble, avec tous les amis, tous les profs. On représente aussi notre collège, donc c'est une grande fierté pour nous. Vous entendez l'hymne national régulièrement. Quel est le mot, la phrase la plus importante de l'hymne national? Je pense que au mort de la Nordmagne, parce que ça représente notre île, c'est notre terre. On est les habitants de Maurice, donc c'est notre Nordland. Quelle est la plus belle chose que tu ferais pour ton pays? Bon, il y a beaucoup de choses que je veux accomplir dans la vie, mais peut-être commencer par diminuer la pollution, parce que quand même, on est dans un monde qui est affecté par le global warming. Donc, Maurice en premier, si on peut planter plus de plantes et réduire le plastique, je dirais. Et le jaune, pour toi, ça représente quoi? Ben, aujourd'hui, on porte le jaune. Allez, le jaune, ça va être... je pense que l'expérience va être nice. Le jaune, c'est le soleil. Donc, on a malheureusement pas le soleil aujourd'hui, mais c'est une couleur rayonnante. Il est dans le cœur. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est nous qu'on applaudit, mais bon, on prend. Merci. Bon, allons voir comment ça se passe côté tourniquet. Comment vont-ils bien compter tout ce beau monde? Si qu'il y a de quoi en voir de toutes les couleurs et ça ne doit pas déteindre. Ça fera pas joli vu du drone. Allez, en file indienne. This is a huge responsibility. No, it's responsibility is for the organizers. So my job is to witness and adjudicate, and they're doing very well. But I'm not putting pressure on them. They have to be ready because we need to get an accurate count. Good. So you tell the other teams. Check your system. Okay. Bonjour les jeunes. Vous êtes de quel collège? Pas SSS. Pas SSS, très bien. Quelque chose me dit que le rouge est ta couleur préférée. Oui, c'est ma couleur préférée. Et... Pourquoi?
parce que c'est dans le national flag. Donc c'est bien tombé que ce soit la couleur de ton hoodie alors. Oui. Alors évidemment, il y a beaucoup de fierté d'être là aujourd'hui, mais un peu plus quand même. Autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose? Non. United, Liverpool ou bien Maurice? Liverpool. Zoji, tu réponds à Liverpool? On a pu souffler, nous. Ça veut dire quoi le rouge dans le drapeau? Bandissant, après un grand parent qui met nos efforts et à nous faire appeler là des bouteilles de cela. C'est une couleur, tu es bien content, tu as une couleur rouge? Ouais. Tu fais? Parce que les premières couleurs dans nos flags, Maurice. Pour toi, le rouge, ça veut dire quoi dans le drapeau mauricien? Un grand lunaire, mais le fond en bas. Il y a mon pensée. Mais... Quel est le mot le plus important pour toi dans l'hymne national? Together. Quand on est tous ensemble, puis bon. Mais... Avec moi, aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu t'imaginais, tout ça doucement, est-ce que tu as assisté à l'école là qui un jour, à l'occasion d'un 12 mars, tu es pour dans ce cadre de l'événement là? Non, jamais même pas ça. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité de venir ici, de profiter de venir. Si tu as fait quitter ton pays, qui est-ce pour faire? C'est qui me cave. C'est-à-dire? Regardez-moi la vie, c'est bien. Donc, si on a pour la guerre ou bien si on a pour aller dans une war, quitter ce cave, c'est bien. Donne-toi la vie, tu as mesuré ce que ça veut dire là? Oui. Le fait d'être signé au préfet et de représenter le collège aujourd'hui, c'est un joli jour. Oui, joli jour. Être un représentant d'un collège, devant tout, devant 7800 élèves, je crois. C'est un grand honneur pour moi. Alors pour vous, c'est l'occasion de marquer le coup pour un record ou bien c'est une occasion de perdre en classe? Les deux. Les deux. Moi, je suis partant pour les deux. Moi, tu n'es pas hypocrite. Ouais, voilà. C'est... Comment je veux dire? Ben, je suis ni contre, ni pour. C'est une bonne action. Sinon, c'est dans le cadre de l'indépendance, c'est dans le cadre du 12 mars. Ce jour-là, pourquoi c'est important pour vous? Eh bien, ça nous fait rappel à l'histoire lorsque le père de notre nation, Sir Sagar Ramboulam, a marqué l'histoire. Nous avons, il a fait beaucoup pour notre pays. Nous avons obtenu notre indépendance, on est devenu indépendant, notre propre drapeau. Ben, c'est une grande fierté, immense. Tu as une couleur préférée là-dedans, à part le bleu? Oui, c'est le bleu. Pourquoi? Ben, le bleu, c'est vivifiant. Il y a une clarté, c'est vraiment... Enfin, moi, je suis toujours pour le bleu. J'étais quand j'étais en sixième, je portais l'uniforme bleu, j'étais en classe de bleu, tout ça. Ça reste toujours mon couleur préférée. Et là, le club que tu supportes est en bleu? Oui, Chelsea. Tu mesures combien? 2m15. 2m15. De tes 2m15, Ayush, qu'est-ce que tu vois là? Je vois tout. C'est beau à voir? Ouais. C'est un drone à toi tout seul? Ouais. C'est joli de voir comme ça toutes les couleurs du drapeau national? Oui. Et ça te fait plaisir d'être là? Ouais. Pas très bavard toi? Ouais. Tu es de quelle école? À de Witz. D'accord. Merci Ayush et bonne journée. Bonne journée. Alors dis-moi, vous avez l'air d'être un peu à part là, pourquoi? Parce qu'on attend là.
Qu'est-ce qu'on attend? Pour aller rejoindre les autres. Ah, quand même, ce n'aurait pas d'hier. Alors, vous êtes en blanc? Oui. C'est la couleur de la... l'innocence? Bien sûr. Du bord. Je prends. Du bord qui tient le drapeau. Ah, c'est ça! Là-bas qui tient le drapeau. Mais tu prends l'autre bord? Non. Bord blanc. Ah, c'est une couleur importante alors? Oui. Parce que sans ça, il n'y a pas de drapeau qui tienne. Exactement. Ah, d'accord. Très bien. Et pour vous, de faire partie de cet événement, ça fait plaisir? Oui, bien plaisir. On représente notre école quand même. Oui. Oui. C'est bien. Et le 12 mars, le drapeau national, pour vous en général, ça veut dire quoi? Liberté. Liberté de notre pays. Cette indépendance. Et tu serais prête à faire quoi pour défendre cette liberté? Représenter mon drapeau. Debout jusqu'à telle heure. C'est tout? Oui. Dites-moi, vous êtes prof de biologie, mais quelque part, c'est une grande fierté de représenter avec votre école ici, quoi. Bien sûr, c'est une grande fierté. Et déjà, pour entrer dans le Guinness Book of Records, c'est la première fois pour Maurice. Donc, vraiment, c'est une fierté. Le collège Alpha est un vieux collège, très connu à Port-Lo, mais pas forcément au niveau national. Et le fait d'être présent ici, c'est un peu particulier, un peu spécial? Ben oui, c'est spécial. Et ces enfants, si vous aviez fait le portrait de ceux qui sont là, et qui ils sont, comment ils sont, d'où ils viennent? Au fait, notre collège... on a les enfants comme, on va dire, average students, average to very low ability. Donc, on travaille très dur avec ces élèves pour que ces élèves puissent franchir la forme 5. Donc, bien sûr, on a des élèves qui sont bien encadrés et qui réussissent très bien dans leur vie. Donc, c'est une fierté. Et ce genre d'événement, ça ne peut que les encourager à mieux faire. Ah, voilà. Même pour le 8787e qui peut casser sa récord là. Ah. Ouais. Tu es content? Non. Non? Gros gars. Non, c'est le dernier qui parle de faire ça un an plus qu'il casse récord là. Ouais. T'es bien content? Ouais. Tu tiens le drapeau national avec beaucoup d'entrain, de fierté. Tu n'aurais pas aimé être là-dedans, là? Ah oui, mais les consignes font m'étaient déjà pris. Tu as raté ça? Oui, malheureusement. Mais ici aussi, c'est fun, on met l'ambiance. Alors. Tu t'es rattrapé, alors? Oui. Et tu es venu avec tes camarades, tu as demandé une permission? Oui, on a demandé permission et ils sont ici. Et comment vous vivez ça, là, même si vous êtes dans les gradins? C'est quand même très fun, on est en train de mettre l'ambiance, on s'amuse beaucoup, on est en train d'y aller depuis tout à l'heure, alors ça. Fatigué? Un peu, on a chaud. Ça a pris du temps avant de se former? Oui, ça a pris beaucoup de temps, on attend depuis tout à l'heure, mais on essaie de maintenir l'ambiance. C'est un beau drapeau. C'est un très beau drapeau.
pour qu'on puisse partager ce qu'on a, mon humoriste, parce qu'on est vraiment unique. Donc, pourquoi on est unique d'après toi? Pardon? Mais mon cher Michel. Ouais, voilà. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour ton pays, toi? Tout. Absolument tout. C'est beaucoup, ça? C'est beaucoup, oui, mais c'est mon pays. Est-ce qu'il y a une image qui reste dans la tête, un moment, comment vous décrire ça? Un moment avec mon camarade, Maurice Casanreco. C'est important pour vous autres? Oui, c'est assez important. Maurice Casanreco. Vous prenez un certificat là? Oui. Merci beaucoup et bonne rentrée. Merci. Vous autres, j'étais en gradin pour ça, pour vous autres? Oui. Et pour vous autres, comment vous êtes retenu de cette journée là? L'expérience, c'est marché. Yeah. On dirait que c'est tout le monde qui a musique, tout le monde qui a instrument, tu sais. C'est ça. C'est un peu nouveau de nous parce qu'il nous casse un nouveau record. C'est tout. Est-ce que c'est là pour créer une composition dans la zone aujourd'hui? Comment tu peux résumer ça? Un nouveau Maurice. Un nouveau Maurice qui fait? Ben, il est changé là, là. Un pavant de l'armée. Il y a beau temps pour toi ça? Beaucoup. Oui. Oui. Qui fait? C'est nous fêter. C'est nous fêter. Rentre bien. Une journée bien remplie, chacun reprend son bus avec des souvenirs et des selfies plein de téléphones. Avec tout ça, moi, j'ai perdu mon hoodie. Allez, salam.